Bonjour à tous, bon vous avez vu le titre, on fait dans l'accrocheur. Comme la publicité se permet tout, s'arroge tout droit, plein pouvoir, omniprésence, face à ce totalitarisme subi, nous aussi on a le droit d'en faire ce qu'on veut, y compris y réfléchir bien sûr, voire enfoncer des portes ouvertes, et c'est ce qu'on va faire ici dans Suplicité Publiminale, la nouvelle émission à la mode complètement tendance, qui parlera sans surprise de publicité. Donc on va commencer en bon pubard, notre cible vous. Notre méthode, racolage, putaclic. Notre approche, tout ce qui peut chiffrer. Notre budget, l'argent de la pub, bien sûr. Vous verrez, il y a pas mal de placements de produits. Et pour ce qui est de la fréquence, un planning de sortie aux petits oignons, des émissions découpées en format court pour rentabiliser, etc. C'est etc. ipacatchi tout ça. Bon, en vrai, on n'est pas monétisé et pas non plus hyper carré sur le business model côté durée. Ça prend du temps de digresser plutôt que dégraisser. Et en même temps, la carte de l'honnêteté à nu, fleur de peau, c'est une méthode de manipulation publicitaire, le BFF, le super pote. Et ce coup-ci, on va parler de ça, entre autres, de la publicité qui se veut notre ami, notre famille, la connivence, au travers des affiches et spots qu'on a croisés ces derniers temps dans la rue et sur nos écrans. L'idée, quand même, pour présenter un chouïa, c'est de partir des publicités du quotidien qu'on croise et qui, à défaut de nous parler, ce qu'elles veulent, nous interpellent, sans s'interdire de faire des rappels à de plus anciennes publicités et à d'autres médias. Dans l'idée, ça a aussi fonction d'archive. Pour ouvrir le bal, on voulait y aller mollo et on est parti sur des gentils petits poussins, innocents donc, à l'instar des affiches du jus de fruit éponyme. Moi, quand on me dit innocent, je pense plutôt à ça. Son dernier Mais soit. Ici, l'innocent est un poussin minus, aussi frais que son produit est grand. Couleur simple, soleil, décor flou, produit détaché du fond, l'affiche est banale. C'est quand on commence à lire tout petit forcer de s'approcher, se mettre au diapason de l'affiche, la faire pénétrer notre espace vital que la magie opère. L'affiche, comme tapotant sur notre épaule, nous prend à partie avec son vocabulaire infantilisant, familier, jamais vulgaire. On est dans la connivence et la mise en abîme, le rappel d'une attente du métro toujours trop longue pour une publicité qui présuppose de notre ennui et vient gentiment combler ce coin de cerveau disponible aménagé par la télévision par exemple. Cette apostrophe méta nous prépare à avaler la sauce de fin de paragraphe, beaucoup plus classique et rentre dedans. Parce que c'est pas tout d'être sympa, faut aussi vendre du produit, ma bonne dame. On apprend donc que pour sélectionner leurs oranges, ils en goûtent plein, point, tout le temps, point, partout, point, et on ne garde que les meilleurs. Out les fruits non calibrés, viva pauvreté mondiale. Un discours à la gloire de l'excellence sous toutes ses formes. Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur la ponctuation est là pour le rappeler, ou à la gloire du grand entrepreneuriat international, partout, tout le temps, que les meilleurs, compétition, 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 hédonisme du capital, bref, un glissement de langage violent, partant de hé hey, coucou toi, au meilleur des meilleurs en moins de trois minutes, comme ils disent, ton martial contrebalancé par un post-scriptum final qui joue la connivence à mort, sympatouille blagouilleur, bref, on les aime. Tout ça sur un air de copain-copain bonimenteur, oui madame, vous avez raison de douter, mais moi je ne vous décevrai jamais, la confiance règne, innocent donc christique, donc auréolé, jusqu'au reversement en dons pour les petits frères des pauvres, association aux valeurs chrétiennes. Et ça joue encore plus la sympatouillerie sur d'autres affiches avec un humour de merde qu'ils assument pleinement, même s'ils gonflent un peu les chiffres. De gentilles affiches boboisées pour hipsters en mal de faux bio du rayon frais par exemple. Bref, la gentrification dans tous ses états, à l'exemple de certains Dominos Pizza qui redécorent sexy, boisé, carrelage, ou d'un resto de kebab dont je tairai le nom, on change le look, on vire les éléments trash de la carte, genre sandwich au cordon bleu plus steak, le tout à présent manuscrit sur ardoise et fond de lattes de pain clair au mur. On remplace le t-shirt par une chemise à carreaux et surtout on augmente les prix. Bref, on sort du kebab d'inspiration grand fast-food américain tout typographié sur panneaux rétro éclairés vers le fait main, fait maison, manuscrit, plus amical et avenant et c'est totalement l'esprit Michel et Augustin qu'on va voir de ce pas. Rien que le nom, il y a déjà tout dedans. Michel bof, Augustin pourquoi pas, Jackie et Michel oui. Michel et Augustin, Banco. Michel et Augustin, ça marche grâce à leurs prénoms, le tandem, le bien français, la bonne classe sociale, comme Charles et Alice. Là où Jackie et Michel tapent évidemment plus peuple, c'est pas du porno chic. Deux prénoms, deux fois plus, ça marche deux fois mieux, comme faux et usage de faux, deux fois plus fort, deux fois plus grave. En somme, le duo gagnant du Buddy Movie à la Nice Guys, et c'est bien sûr pour ça qu'on écrit ces émissions à deux. Et non, pas pour une vague idée comme quoi la publicité serait un faisceau monolithique braqué sur nous et qu'il faudrait être au moins deux pour y répondre. Bref, la marque Prénom est moins lourde et datée, plus dans le vent que les Liebig ou Ferrero, au nom de famille garant de dignité ou encore Saint-Michel, trésor national romantique et consonance familière. La marque Prénom, c'est un pouvoir en soi face aux vieilles grandes familles pionnières de l'industrie, une façon de se démarquer de l'ancienne garde pour les trublions du goût, foufou gentil. On connaît leurs prénoms, ce sont déjà presque des amis. On va donc observer leur publicité internet de l'incroyable mousse au chocolat. Nom déposé du produit, c'est marqué sur la boîte. L'incroyable mousse au chocolat Bonjour Je m'appelle Nicolas. Je crois pas qu'on se connaisse. Cette mousse au chocolat. Michel et Augustin. C'est nous qui l'avons faite Elle est super waouh. Elle est bonne. Waouh Vous êtes là Et dites-moi ce que vous en pensez. Michel et Augustin, .com. Elle est super bonne. Waouh wow. Les trucs du goût, c'est nous. Publicité sur laquelle on fera preuve d'acharnement thérapeutique, mais bon, faut bien commencer quelque part. Avec tout d'abord la composition d'image et le martelage. Au cinéma, dans une mise en scène un peu exigeante, on ne dit pas deux fois la même information. On ne montre pas à l'image ce qu'on dit par la voix, par exemple, parce qu'on estime que le spectateur intelligent qu'on respecte aura compris du premier coup, à moins que la répétition soit un effet de style ou outil narratif (MacGuffin, fusil de Tchékov, etc.). En publicité, au contraire, ça martèle, ça assomme, ça en remet une couche, ça en fait des tonnes. Vous avez compris. Ça tabasse à mort la même idée, rarement compliquée pourtant. Bref, ici dans l'image, il y a Bonjour, Vrai, Michel et Augustin, l'adresse de leur site, et eh bien soyez sûr que tout ça rentrera dans votre crâne de force s'il le faut parce que ça sera répété oralement ad nauseam. On trouve donc l'humain au centre avec le produit, quand même, collé au visage de cette jeune femme, la figure des maîtres, Michel et Augustin, toujours derrière les intervenants, duo Big Brother tout sourire, des fleurs de champ de la nature sympa sympa, pas industriel pour un sou, et la vache tracée au véléda ou tout comme. Enfantine et gentillette, qu'on n'imaginerait jamais dans une batterie laitière avec tout ce que ça implique, dessinée bord-cadre dans le décor d'arrière-plan, et sur le produit au premier plan, espiègle et coquine, qui sort pour nous regarder, ou vache à miroir de son consommateur, voire l'antagonie façon vampire de Dreyer, à la victime vampirisée bord-cadre, allant vers la mort. En composition d'images, souvent, plus il y a de ciel, plus il y a d'espoir, mais si on bouche le cadre avec une tête de lit mortuaire ou de la mousse au chocolat, ça respire beaucoup moins, bref. Ardoise, petite fleur de papier collée fait main. Bonjour, 100% vrai, pas d'incrustation mais vraiment déchiré et cornée vrai de vrai. S'ils mettent autant de soin à la déco, leurs produits sont forcément bons. Et d'ailleurs sans doute, mais c'est pas la question. Il y a aussi toutes les farces et attrapes du youtubeur maladroit sympa et du vrai faux film amateur avec son éventail de mini ratés probablement retravaillés en studio qui font 100% vrai donc au rang desquels mini décadrage grossier à chaque plan, netteté et lumière légèrement changeante à chaque plan. Montage express, cut, trop serré entre chaque respiration, faux mauvais montage et véritable montage publicitaire au plan de deux secondes maximum. Passons au protagoniste, alternant sa parité bien pensante d'un entre-soi trentenaire blanc Bronzage, il mais pas plus. Genrification, gentrification. Que du bonheur avec une jeune femme, tout ce qu'il y a de plus normal, qui nous salue. Puis Nicolas Lambda ou Nicolas Bellhomme, qui nous interpelle. Suivi d'une femme un peu ronde. Bien portance d'épinal de pâtissière, qui rassure le client et correspond aussi à un idéal de société à vendre en miroir, de leur cible. Ou encore un type pas moche, au petit défaut dentaire, qui fait vrai, qui fait nous, qui fait vous. Effet décoiffé, barbe de trois jours, rien à foutre, de bonne à les deux filles apparaissent respectivement 5 et 4 fois, très présentes mais anonymes, Nicolas 3 fois, le seul à se présenter, le bronzé apparaissant une fois parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Donc les filles en tête, Nico 3 appelons-le comme ça maintenant que c'est notre poteau, juste après les filles, la touche charme ou la bonne copine pour le public féminin. Côté vêtements, c'est propre, pas excentrique, pro, chemisier à fleurs petit bourgeois qui revient en force via les modes vintage. Authenticité, c'était mieux avant. Finalement, cet échantillon de population campe une sorte d'idéal franco-français vieille école. Cheveux attachés et coupés ras, hygiène du cuisinier respectée, comme la publicité est elle-même hygiéniste, image clean. C'est aussi le code hollywoodien du cheveu court ou attaché pour le défenseur de l'ordre et détaché ou sale pour le marginal et ou le méchant. La plupart du temps, une femme qui détache ses cheveux se libère, et parfois, un marginal attachera ses cheveux pour rentrer dans le rang. Bien sûr, avec les faux effets danti tourmentés, le code se complexifie, mais ce n'est pas le sujet. Passons au texte, débité par divers intervenants clones finissant la phrase l'un de l'autre, le fameux esprit d'équipe. C'est une équipe, y'a un esprit Pour un texte tronçonné qui est celui d'une seule et même voix, celle de la marque Michel et Augustin. La présentation commence donc sur fond de bonjour. Je m'appelle Nicolas. Prénom le plus communément mi-bourge, mi-raisin de France, avec Pierre, Charles, Louis et quelques autres, comme Michel ou Augustin, au hasard, qui avance d'un petit pas de côté, précaution, comme pour approcher un animal sauvage, gentil chasseur, séduction, prédation, on y tendrait la main sans confession. Le tout suivi de. Je crois pas qu'on se connaisse Bref, c'est parti pour le flirt chocolaté. Nicolas dit son prénom parce que c'est un ami ou un inconnu dans une soirée, un ami d'amis qui veut et va le devenir, tellement sympa et libre qu'il dit son prénom avant celui de sa marque. Il y a aussi de la garantie qualité avec ⁇ C'est nous qui l'avons fait ⁇ Ici, nous égale vrai, et du supplément de garantie avec ⁇ Waouh ⁇ deux fois, et encore plus à la fin. Sur ce, on rajoute une pincée de ⁇ Elle est super Waouh ⁇ Super Waouh un peu comme Chouette ou Giga Cool, qui marque une génération et une classe sociale. Le trentenaire classe moyenne est plus. Déclamé sur un geste de politicien ou technique Jedi pour forcer une idée, mais bon, là on cherche la petite bête. Et puis encore une couche avec un wow. excessif d'autodérision qui met en confiance. Discours globalement infantilisant, comme souvent en publicité, jusque dans l'injonction discrète au milieu, quasi subliminale, parce qu'on n'a pas capté tout de suite. Vous là. Visage révélé en à peine une demi-seconde, le masque tombe. L'enrobage de douceur laisse place en son milieu à un noyau dur d'ordre tacite enrobée de chocolat, fondant, irrésistible. Donc, première injonction suivie de celle de lâcher son commentaire, comme on dit. Et dites-moi ce que vous en pensez. Formulez plus poliment au vouvoiement. Dites-le moi, à moi, Nicolas, parce que ce n'est pas la marque qui veut savoir ce qu'on pense de leurs produits, c'est Nicolas qui brûle de connaître notre sentiment profond sur sa mousse, et tout l'amour qu'il y a mis, comme Jackie et Michel dans leur bière, parce que c'est bien cette mousse-là, la sienne, que vous vous allez trouver dans votre supermarché. Et pour finir comme il faut, une dernière tartine de... Elle est super bonne! Wow. Des fois que ça manque. Le tout sur fondu et simili effet de négatif sur les fleurs, qui amène le produit vers nous, dans un autre espace, une autre réalité, la nôtre, évidemment, pas besoin de faire un dessin. Le tout s'achève sur une petite touche de réseaux sociaux... Et dites-moi ce que vous en pensez. Sur une chaîne YouTube dans l'air du temps, pour laquelle les pouces bleus ne suivent pas vraiment malgré l'injonction. Manifestement on est un peu con et c'est pas encore assez martelé, il aurait mieux valu sans doute dire simplement Lâchez vos pouces bleus les copains. On n'a pas étudié leur chaîne de fabrication pour voir si entre le fais ce que je dis et le fais ce que je fais, il y avait un pas à franchir. Et ce n'est pas le sujet qui nous intéresse ici, on a juste regardé d'autres vidéos en vitesse. La série Allez Howard, saga de leur rencontre avec le PDG de Starbucks Coffee, qui est quand même la plus grande expérience de relations humaines du monde. Le film de notre folle aventure, entreprise joyeuse où il fait bon être heureux même quand on n'était pas là. On n'était pas là, mais on a ri. Qu'est-ce qu'on s'est marré Entre hipsters blancs, trentenaires et quarantenaires, corporates où week-ends d'entreprise et soirées d'intégration font la joie des petits et grands, tout un rêve du nouveau capital, le travail passion qui parle vrai, qui montre vrai, qui parle de gros morceaux, qui a de l'humour où l'on voit que les acteurs sont de vrais employés et que Bronzé, appelons-le ainsi à une époque où paraît-il Bamboula est à peu près convenable, est en fait Augustin lui-même. C'est la leçon à de l'importance de payer de sa personne. Une vraie toque de chef, un diplôme, des droits à la formation ouverte, bref comme ils disent, parce que c'est bien ça l'essentiel à vendre. « Elle est pas belle la vie ?» Le point d'interrogation à la fin est important. Des produits bons et sains. « Ensuite nous utilisons des ingrédients simples et de qualité. Ça a l'air bien propre et tout, bon, c'est pas le bio qui les étouffe, mais c'est quand même du AOC, du IFC et du BRC, autant de sigles prouvant forcément la qualité de leurs produits. Même leurs œufs sont presque 100% élevés en plein air. Par contre, pour le beurre on ne sait pas grand chose, à part qu'il est frais. Manquerait plus qu'ils nous apprennent que oui, notre beurre est bien jaune. On y apprend donc la recette du beurre et on fait une petite blague sur la vache qui pond du lait. Coup de coude complice, qui élude aussi la question de la provenance. On note également des amis recommandables et recommandés, Jacques Seguela et François Fillon par exemple. Des patrons, mais aussi Fleur Pèlerin, ministre de la Culture, Xavier Nils, PDG de Free, qui en matière de droit salarial est sûrement de ces patrons que l'on aime et que l'on porte au nu, presque panthéonisés comme Michel et Augustin par leurs subordonnés frénétiques et amoureux, ou encore le patron de Giffy. On finit par leur site, la bananerie, avec toute l'équipe, peut-être pas celle de l'entretien des locaux, mais bon. Ils ont l'air naturels et l'entreprise sympa, pour peu qu'on rentre dans le moule, mais l'esprit corporate a aussi des revers de médaille, à coups de soirées forcées et heures sup non payées pour les super best friends du patron. C'est peut-être pas le cas ici, mais ça existe, et cette représentation du monde de l'entreprise n'y est pas étrangère. Le site affiche un graphisme éthéré de magazines féminins type rose et noir, petite flèche, typo gentille, effet fémin toujours. Passez donc votre CAP chez eux plutôt que dans le cursus scolaire vieux jeu, déconnecté des réalités de l'entreprise. Prix post-lycée, ça ne vaut pas un Ronald McDonald qui recrute au berceau, mais c'est toujours ça. Une page de modou de leurs aficionados, drague toujours, aux allures de magazines pour adolescentes avec des stars trop craquantes, qui finit en interview politique sur le mode blagouille. Et si en plus vous voulez tout savoir sur la vie privée de la webmaster, partez pas y a du rab. Bref, on nous cache rien, on sait vraiment tout sur tout. Du coup, question sincérité, c'est quand même étonnant de ne pas voir sur leur site ou leurs produits, en tout cas on n'a pas trouvé, que Danone possède à 40% l'entreprise. Effectivement, il y a plus friendly que l'image de marque de Danone. Et pour en revenir à Innocent, le bon Dieu sans confession, comme on l'a vu, eh ben c'est Coca ça, The Coca-Cola Company est actionnaire majoritaire d'Innocent. Et surtout, ce n'est absolument pas dit sur leur site, ou encore une fois on n'a pas trouvé. Les mains blanches et pleines, comme on rachète une conduite mafieuse en blanchissant à coups de filiale. Innocent, 100% responsable, mais pas coupable. Donnez vos sous à Coca si vous voulez, mais en connaissance de cause au moins. Pour revenir à Michel et Augustin, ils n'ont pas l'air méchants et ils le sont peut-être pas d'ailleurs. Le problème, c'est ce qu'ils font des produits bons sans doute, mais comment ils les font Le jeu auquel ils ont choisi de participer, publicité comprise. Dans le registre des types sympas, il y a leur équivalent américain, binôme de prénoms sucrés, Ben et Jerry. Et là pour le coup on a les chevaliers blancs, avec une forme globalement plus classique dans leur publicité, notamment parfois leur PDG en cravate, parce que c'est un grand groupe, plus installé, et que le sujet de l'écologie qu'ils abordent régulièrement avec tout le solennel qu'on lui porte s'y prête sûrement. Parce que oui, Ben Jerry égale écologie. Avec une exemplarité par plein d'actions concernant leurs produits et la protection de la planète, même le paragraphe controverse de Wikipédia est ici minuscule. Une marque à ce point engagée dans l'écologie que pendant la COP21, on a pu voir ces images dans les métros de Paris. Comme chez Michel et Augustin, on retrouve la vache et l'emballage mignon, ici mascotte sans regard, même plus les yeux pour pleurer, ramant dans un Paris d'épinal d'arrière-plan coulé sous l'océan. Aucune mention de leurs produits, étonnant de la part d'une grosse entreprise, pour une publicité qui n'est pas non plus surchargée. Slogan équivalent de leur campagne en anglais When it's smelt, it's ruined, quand c'est fondu, c'est foutu, dont on va voir en vitesse le clip. Vidéo qui joue de l'effet rembobinage, sauvetage écologique magique où rien n'est irréversible, possibilité de défaire les erreurs, et de fait, ça a du sens pour une grande entreprise arrivée à cette place grâce au capitalisme. On est donc en face d'un major américain qui fait de la publicité pour une marche pour l'écologie, sachant qu'à la même époque, WWF fait ça. Marche autrement plus bobo, avec même le petit chien de la peinture royale en bas de cadre. Mais là il s'agit d'une association dont ça a toujours été le combat, alors que Ben Jerry c'est une entreprise privée, et c'est le paradoxe d'être capitaliste et écolo, c'est-à-dire s'inscrire dans une mécanique du monde du capital et de la libre entreprise, qui est sans doute le premier facteur de pollution mondiale. Encore plus pour Ben Jerry, filiale du groupe Unilever, qui, à vue de Wikipédia, ne semble pas ce qu'on fait de plus écolo ou éthique. Qu'est-ce que ça implique que ce rôle de l'écologie soit endossé par des majors, des sociétés privées, plus que par l'État Zuckerberg pour Facebook, Google, Schwarzi, gouverneur écolo, autant d'hommes de pouvoir qui croient peut-être vraiment en ce qu'ils font, se sentent une âme de révolutionnaire capitaliste, la double pensée, en révolutionnant la liberté par l'ajout de chaînes. Héros du peuple, investis d'une mission avec tous les passe-droits qu'ils peuvent avoir. En gros, c'est le mythe de l'homme politique qui a des convictions. Peut-on croire et voter pour l'homme, ses idées, sa sincérité La sincérité peut-elle changer les choses si elle ne remet pas en cause le cadre économique duquel elle émerge Le vote de confiance a aussi le risque des apparences, la voix qu'on donne pour une gueule, un savoir d'orateur, ce qu'on croit sentir de l'homme, et d'ailleurs la confiance a-t-elle vraiment de l'importance s'ils ont les moyens de faire ce qu'ils veulent Est-ce que ce qui compte vraiment ce ne serait pas la façon dont on veut changer les choses et la concrétisation par des actes, qu'on trouve d'ailleurs chez Benedgeris alors bien sûr, ce sont aussi des humains qui font leur publicité comme ça leur vient, tout n'est sans doute pas que calcul cynique, et finalement, peut-on parler de démagogie quand on est si bien ancré dans ce monde et ses travers Parce que bien sûr, c'est quand même aussi marketé. Alors quoi de pire Une entreprise et l'esprit corporate, qui fait naturellement de la publicité sans s'en rendre compte, ou bien qui calcule froidement tous les aspects de sa com. D'ailleurs, chez Michel et Augustin, c'est aussi sûrement grosse com réfléchie, on n'est pas sacré entreprise de l'avenir sans mouiller un peu la chemise. Quelle que soit la mentalité, sincérité ou calcul, en tout cas la publicité persiste, et on en revient à la question de l'esprit d'entreprise, l'honnêteté intellectuelle dans la publicité, à quel point ça s'intègre et devient totalitaire. Doit-on compter sur les entrepreneurs pour être éthiques Humains bien sûr, mais ultralibéraux dans une logique ultralibérale. N'est-il pas dangereux de se dire que ce n'est pas par les lois, mais par les opérations plus ou moins invisibles d'entreprises privées que les jeux de pouvoir se font, menant à une désillusion générale, l'idée que toute tentative sociale est vouée à l'échec qu'on doit faire confiance aux grands entrepreneurs parce que c'est la seule voie sans entrave, toutes les voies politiques ont des contre-argumentaires, des opposants, mais la publicité, le grand commerce, lui, dans le monde public, il n'a aucun prédateur, sauf publicité comparative si on estime que la mauvaise publicité existe. Donc il domine et il peut être ce qu'il veut, de sorte qu'on finit par y croire à cette histoire de libéralisme décomplexé pour le bien commun et non pour le privilège d'une minorité. On désespère du politique, du sauveur, et pourtant on le reporte sur le monde de l'entreprise, qui lui serait à même de régler les problèmes, c'est son discours dominant. Il faut simplifier le droit du travail, lui laisser plus de marge, c'est ce que demande le MEDEF, le patronat, qui n'est pas encore allé assez loin dans ses mesures, et c'est pour ça que le système ne marche pas, et qu'il y a des crises d'après eux, parce qu'ils ne font pas encore assez de beurre les pauvres. Alors si on aime travailler chez Michel et Augustin, la pilule passe, c'est certain. Et puis ça va, t'as un boulot, tu vas pas te plaindre. En plus, il y a une bonne ambiance. Et puis tu pourras rester un peu plus tard ce soir, vie entière résumée autour d'une passion, celle de ses supérieurs. Pour en revenir à l'écologie, on entend souvent qu'elle n'est ni de droite ni de gauche, mais il est plus intéressant de poser la question ainsi. Peut-on être écolo et ultralibéral Parce que mettons qu'aujourd'hui, on ne sait plus définir droite et gauche via les anciens paradigmes, il y a tout de même un référent commun, le libéralisme. Avec une soi-disant gauche qui s'affiche libérale, et une droite qui s'inscrit aussi là-dedans de façon moins surprenante. Supposons que les entreprises soient soumises par la loi à un comportement écologique, plus qu'actuellement véritablement écologique, déjà au niveau de Ben Jerry's, par exemple. Dans ce cas, si elle prétend véritablement réguler l'écologie, la loi entrave la bonne marche, et pas qu'un peu, de la finance et ses principes de compétition, moindre coût, ampleur de production internationale, etc. Et donc on sort en définitive de l'économie libérale. Il n'est aujourd'hui pas évident de faire une économie libérale de papa qui accroît les richesses des uns au nord par la misère des autres au sud. Tout ça en accord avec une politique écologique. Elle n'est manifestement pas interchangeable et compatible avec tout type de câblage, ou alors éclairez-nous, on est peut-être passé à côté de l'essentiel. En définitive, une écologie de droite n'est pas impensable si la logique de compétition classiquement économique et sociale s'étend au sauvetage de la planète, pour le dire avec des gros sabots, si la droite se gauchise, en somme. Mais dans un monde où la gauche se droitise sans effort, l'inverse doit bien pouvoir se faire. Si vous voulez pousser un peu l'enthousiasme professionnel au dernier degré, il y a bien sûr le documentaire Attention, danger, travail de Pierre Karl, ou côté Mazo, le film Le nouveau stagiaire, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, côté placement produit, Facebook, Google, Mac et compagnie, film où ce qu'on nous vend comme féminisme, enfin féminisme Chanel, devient alibi d'un libéralisme sympa décomplexé, où les employés, notamment retraités, dévoués corps et âme, se proposent eux-mêmes d'enfreindre gentiment la loi pour sauver leur gentille patronne dos au mur. Voilà, supplicité publiminal c'est fini pour cette fois. Merci d'avoir écouté cette première émission et à la prochaine.